mon métier transporteur fluvial. Donc, on descend souvent des céréales. On monte avec du sable. Bon, là, le sable, pour l'instant, tout est arrêté. Donc, principalement des céréales alimentaires. Et là, c'est du blé. On a 1200 tonnes de blé pour décharger demain. Donc nous, la période de confinement, les enfants, au lieu d'aller un petit peu à terre, tout ça, quand il fait beau, ils n'y vont pas. Donc ils restent au bateau. Bon, la différence, c'est que là, bon, il y a l'école quand même, tout par internet, visio. Le matin de 10h à midi, ils font des leçons, l'après-midi aussi. Et bon, en fait, tout par internet, parce qu'on n'a pas d'accès, mais toujours au bateau, quoi. Donc interdit de quitter le bateau. On est habitué à être séparés du monde, sauf que bon, le soir, des fois, on tombe avec des amis, tout ça, que là, bon, voilà, chacun séparé. Il y a 3 jours, il y a mon frère qui s'est mis à bord à moi. Ben voilà, on s'est juste dit bonjour de loin. C'est vrai, c'est une drôle de situation. Bon, espérons que ça passe au plus vite, parce que c'est vrai que c'est pas agréable, même pour les personnes qui sont dans les hôpitaux, tout ça. Nous, bon, on a la chance de pouvoir travailler et être sans contact de personne. C'est moi aussi. Donc, au lieu de peut-être faire 3 tours dans le mois, on va faire 2, quoi. Mais on n'est pas les plus à plaindre. Donc, là, bon, avec le bureau, c'est organisé aussi. Les papiers sont envoyés par mail. On ne va plus au bureau non plus. Donc, tout se fait par mail pour éviter les contacts, quoi. Coucou Paris-Normandie.